Ils étaient où? Qu'il avait les choses dehors, qu'il fallait qu'ils rentrent dans une maison. Ils étaient où? Que moi j'ai pris la responsabilité, grâce à toi, de lui donner un appartement de haut standing. Demain, je peux filmer, tu veux, je t'ai déjà montré ce bâtiment-là. Il n'est pas le seul bâtiment, il est au deuxième étage. Quoi de Rebou, quand je l'ai cité, bon nom, son nom, qu'elle m'excuse là. Elle a visité ce bâtiment-là lorsqu'elle est arrivée ici. Elle a dit, je veux voir là où ma cam est logée. Nous sommes partis parce que moi, je ne suis pas une menteuse. Je ne raconte pas ce qui n'est pas vrai. Maman, excuse-moi, est-ce que là, au moment où on parle là, il vit encore chez toi là-bas? Il vit chez moi, il vit chez moi, il vit chez moi. Il vient insulter ma femme. Je ne suis pas d'accord. Alors que s'il se retrouve chez moi et il a des sans payer le loyer, il a d'abord fait un an chez moi sans payer le loyer. Qui peut faire ça à qui? Qui peut faire ça à qui ici, le Gabon? Vous ne vous connaissez pas? Nous sommes des amis sur Facebook. Il a fait 6 mois, il ne me voyait pas. On était des amis virtuels. Qui peut faire ça à qui aussi, le Gabon? Je ne suis pas ministre. Je ne fais pas de la politique. Il est chez moi. Il n'a qu'à venir démentir. Et je démarre ma voiture, même s'il est au couvre-feu. Je vais là-bas, je n'ai jamais fait de live. Je n'ai jamais intervenu quelque part. Je déclenche ma caméra et puis vous allez voir. Vous pensez que je mens? Je n'ai pas besoin de mentir. Je vous dis. Kouale Rebouka était parti visiter. Je l'avais amené là-bas. Je m'excuse de citer son nom ici. Je m'excuse. Elle connaît où Makam vit. Makam, s'il est là, il n'a qu'à venir démentir. Pourquoi elle ne dit pas la vérité au Gabonais? On ne peut pas être ingrat à ce niveau. Donc, quand je reviens, je risque de perdre le fil de mes idées. Pourquoi les Gabonais sont comme ça? Si c'était une Ivoirienne qui l'avait aidé, il devait parler de ça sur la toile. Pourquoi elle n'arrive pas à dire aux gens que mes compatriotes m'avaient aidé lorsque j'étais dans le besoin? Pourquoi elle n'arrive pas à le dire? Pourquoi il n'arrive pas à le dire? C'est pas bien. Il ne faut pas être un grand égoïste comme ça. Ça, c'est de la méchanceté. Ça, c'est de la sorcellerie. Et je ne l'aime pas. Qui peut accepter ici, dans au Gabon, là, que quelqu'un reste dans ta maison un an sans payer le loyer que parce que tu as pitié, parce que tu respectes la parole que tu as donnée à une tierce personne? Qui s'appelle ma femme? Avec qui j'ai dit à ma femme que ma femme et moi, nous avons des liens que personne nul au monde ne peut dissoudre jusqu'à la mort. Si sa grande sœur, même père, même mère, est la femme de mon neveu, le premier fils de ma grande sœur, mais qui peut, ils ont combien d'enfants? Et qui peut dissoudre ces liens-là? Mais personne. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises. Donc, moi, lorsqu'il m'avait appelé, il avait besoin que je lui complète de l'argent de la caution. Je lui ai dit, sachant déjà ce que ma femme m'avait dit avec les deux autres dames, mais je lui ai dit, ok, toi tu veux une maison dans Zion, moi je n'ai rien là-bas en ce moment. Mais j'ai une maison, j'ai un appartement quelque part où je lui ai dit au beau séjour, mais les gens appellent souvent Bangos, mais ce n'est pas la partie de Bangos, vers là où Ndossiem habite, pas loin de chez Ndossiem, qui est le premier ministre. Je m'excuse, je ne cite pas son nom à mal là, juste pour indiquer le lieu de ce bâtiment-là, que je peux vous poster ici. Je peux même poster une vidéo que sa voisine, celui qui est en dessous de lui, l'a fait filmer parce qu'il balaie en haut, il balance la saleté chez sa voisine en bas. Oh yo! Et la fille l'avait filmé. Il ne pourra pas nier qu'il est chez moi, mes enfants. Mes enfants! Et grâce à qui? Et grâce à qui le problème se situe là? Surtout que je l'ai déjà interpellé à maintes reprises. Il faut qu'on se respecte. Donc, je lui ai dit, bon, j'ai un appartement libre quelque part à Bangos. Lui dit Bangos, mais c'est la partie, c'est le beau séjour, mais tout le monde appelle ça Bangos. Après, j'avais laissé. Et les audios sont là, les messages sont là. Il m'a harcelé. Après, je me suis souvenu de notre conversation avec les trois personnes qui me demandaient de le loger, bien avant qu'il me demande ce service, de lui donner la caution. C'était la caution. De lui trouver la caution, parce que j'avais l'habitude de l'aider, en tant que mon frère gabonais. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux, même le petit qui gérait à l'époque ce bâtiment-là. Je l'avais rencontré sur Facebook.
Je ne le connaissais pas et je l'aidais. Et comme il n'avait pas où habiter, je lui avais demandé d'aller occuper le sous-sol. D'aller occuper le sous-sol. Parce qu'il y a un sous-sol dans ce bâtiment-là. Donc il occupait le sous-sol. Il occupait un appartement au sous-sol. Un jeune Gabonais intellectuel avec sa copine, même qui n'avait pas, qui ne travaillait pas. Et j'avais pitié, j'avais lu sa publication, on a sympathisé. Même le jeune là, il avait habité chez moi, il ne m'avait jamais vu. Je suis